Bonsoir tout le monde. Nous avons date vendredi 9 mars 2018. Bienvenue dans le journal TNH pour aujourd'hui. Hein? Et pour que nous puissions présenter le titre. République la Jovenel Moïse a visité vendredi 9 mars la commune Beladen en département Centre. Pendant visite ça, chef l'État chita parlé avec autorité locale et puis visité plusieurs chantiers. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine inauguré jeudi vendredi à nouveau local direction générale impôt dans Gonaïve. Directeur général Bureau Mine et Énergie ingénieur Claude Prepti signé jeudi à un accord avec le programme Nations Unies pour développement et puis recevoir un lot équipement qui pourra permettre une réparation qui fait dans plusieurs stations sismiques non pays. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes organisé jeudi 8 mars là, yon soirée gala et spectacle femme qui baptisé 8 femmes à chanter pour 8 mars. Gala et spectacle ça qui déroulé en présence première dame République la Martine Moïse fait dans l'idée pour clôturer yon série activité ministère tête en main dans occasion. Et puis président américain Donald Trump avec dirigeant régime nord-coréen Kim Jong-un a dû rencontrer avant longtemps président Trump à Kim Jong-un à Gain pour discuter sous dossier nucléaire. Restez avec nous en TNH, c'est un autre sujet pour le développer dans le journal. Bonsoir tout le monde, pour qu'on y a nous parle qu'on est comment on y est, à qui le soleil a couché, à qui le l'a levé et toutes les informations ça y est, nous parle gagné avec météorologue nous Wilner Polidor. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique journée et ce week-end nous souhaitons déjà avec chaque monde un bon week-end en allant comment situation et sous bassin Caraïbe là. Nous avons un temps qui est très nuageux, situation ça a causé premièrement parce que nous avons un front qui trouve lui sous partie orientale Cuba et front ça supposé arriver sur Haïti à partir de Asoya et nous avons un cours qui trouve lui ici sous la mer Caraïbe là qui a prolongement a influencé région sud pays d'Haïti. Ça veut dire va attendre avec un temps qui venteux au cours de journée avec nuages et nuages ça a persisté en début de soirée en soirée et au cours de nuit là pour capable bailler la pluie. Et zone qui concernée par la pluie ça c'est département toute région nord, ça veut dire nord-ouest, nord, nord-est, centre, Artibonite a bien la pluie pour jeudi a et la pluie sera capable même persister au cours de nuit là. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui nuageux en ce moment et nuages ça va persister au cours de journée et même pendant nuit temps provoquer la pluie sous quelques quartiers qui environne capitale pays d'Haïti. N'a gagné une température qui a monté jusqu'à 30 degrés jeudi a et puis va la descendre c'est 18 degrés Celsius. Nous avons une mer qui agite sous côte nord, côte sud, et par rapport avec la situation, ça a un gouverneur de la Gonaïve, la mer a peu agité. Et c'est pour ça que nous avons demandé au capitaine d'embarcation précaution sous côte nord avec côte sud, pays d'Haïti. Et je dis à ce moment-là, a couché à 5h57 et l'a levé demain matin à 6h03. C'est tout ça que nous avons gagné pour la situation météorologique. Là. Merci pour la fidélité avec attention. N'a pas croisé semaine prochaine pour une autre page météorologique. J'ai noté annoncé l'identité, directeur général Bureau Mine à Kenegia, ingénieur Claude Prepti-Sien, vendredi 9 mars là, yon accord avec le programme Nations Unies pour développement PNUD. Dans l'occasion, signature à COSA, représentant PNUD l'an, Yvonne Hell, remet by responsable BMU, yon lot équipement qui pourra le permettre de gagner réparation qui fait dans plusieurs stations sismiques dans le pays et puis renforcer capacité scientifique, unité technique, sismologie. Ils ont compte rendu avec Rodney d'Orléans et Moïse Ulrich. Nous peut-être moins actuellement nous avons une dizaine directement à la donne. Nous avons peut-être moins un nouveau modèle que nous faisons utiliser, que nous avons que l'acheter peut-être moins 10 la donne. Il y a 5 dans le modèle ça et il y a 5 dans le modèle ça. C'est presque le même. Même type d'équipement que vous avez, mais vous avez au moins fait différentes façons.
$215,000 américains environ, c'est quantité l'argent sans matériel ça a coûté. Équipement ça yo, bureau mine ak énergie recevoir dans quatre siyanti à Kosa pour permettre réparation faite dans station sismique qui tombait en panne et puis installer des stations sismiques tout neuf dans Jérémy ak dans Mall Saint-Nicolas. Le grain ou pièce qui en panne, nous commander à l'extérieur, il prend un temps très long avant que le vienne. Mais entre-temps, station va marcher, nous va recevoir signaux. Donc réseau n'est pas fonctionnel. Donc nous avons constitué un stock de pièces de rechange qui permettent que nous remplacer automatiquement pièces une fois que défectueuses. Donc ça n'a pas ralenti la surveillance sismique. On accompagne le gouvernement d'Haïti dans la gestion des risques et désastres. Et dans ce grand programme que nous avons, on travaille aussi avec les DPC, avec les universités et aussi avec le bureau de mines et énergie. Aujourd'hui, on donne l'équipement pour réparer effectivement des stations qui mesurent les tremblements de terre qui se passent en Haïti. Et ça, c'est tellement important parce qu'on doit d'abord savoir qu'est-ce qui se passe, mais aussi on a une responsabilité dans le contexte de la région où on travaille avec toutes les îles de Caraïbes et l'Amérique centrale parce qu'il y a donc un plateau qui nous connecte et donc ce qu'on sent ici, on sent aussi dans nos autres endroits. Selon le directeur général Bureau Mine et Energia, ingénieur Claude Préti, protocole d'Akosa pourrait permettre de renforcer capacité technique et scientifique unité technique sismologie. Son accord qui permet que nous renforcer capacité scientifique ITS là en termes de formation, en termes de sensibilisation et en termes d'accompagnement scientifique. Donc son accord qui est très important parce que le réseau de surveillance sismique là, quand même son entité qui est très jeune en Haïti, et les besoins d'accompagnement, les besoins de financement, les besoins que le secteur privé accompagne le tout, il faut que tout le monde mette main à la pâte. Parce que dans tous les pays du monde, le réseau comme ça, il est déclaré d'utilité publique parce qu'il y a un pile service. Donc le réseau panouan, il est très jeune, donc il faut que donc, le maximum de monde possible, institutions possibles, qui peut accompagner pour être capable vraiment d'avoir un réseau qui est opérationnel pour la région. Toujours dans l'objectif pour renforcer la capacité UTS là, Biomine et Energy déjà signé un accord avec le gouvernement japonais qui avant longtemps a bien pour livrer à responsable BMEO yon le équipement. Et puis, une fois qu'on est président de la République, la Jovenel Moïse a visité vendredi 9 mars la commune Beladen, en département centre. Pendant la visite, ça, chef l'État a parlé à l'autorité locale et puis visité plusieurs chantiers. C'était occasion tout pour chef l'État a parlé à la population en sous différents travaux qui pourraient entreprendre dans le département centre. Asphalte, route, électrification, villas et quelques parmi travail li annoncé dans un délai qui n'est pas trop loin. On suit. Jodi a mwen Beladen 31 octobre a fè Beladen 70 ans. M'ap di moun nan sa pit k'ap gade m la. Moun wann a met k'ap gade m la yo. Jodi a c'est 9 mars. On compte ensemble. 9 avril a fè 1 mois. 9 mai a fè 2 mois. 9 juin a fè 3. 9 juillet a fè 4. 9 août a fè 5. 9 septembre a fè 6. 9 octobre a fait 7 mois. Dans 7 mois, moi vle pour toute rue qui paraît qui pour prendre asphalt dans Beladen asphalté dans 7 mois. M'pral parler avec compagnie qui a fait route là. L'état moi même crédit nous connait crédit m'vive l'état cadeau. Compagnie m'pral bon on dit crédit toute route c'est pour asphalté. Compagnie ça pas ka vont pas là, là là. Pour toute route yo pour yo vin asphalter pour nous bétonner combien va le coûter m'pa konnen l'état a payé l'état la pour payer l'état a payé parce que peuple la n'a souffri longtemps depuis 70 ans pas jan bon rénovation faite dans ville courant m'sot parler avec sénateur Bozil qui non tape de concertation dans mairie li fait plaidoyer pour centrale entre vert là. Moi ta l'on vet, nous de konsa m'de on vet, mal gade. Ça y a 5 mois m'de on vet. Mal gade, gon turbine 741 kilowatts. Ça veut dire, son turbine l'en gade en ville, donc ou bel adem bagen chifio, pou m'gonne konne
kilowatts que Beladen a comme besoin. On a dit une ville dans où Beladen a besoin de mégawatts. Ça veut dire nous manquons peut-être 260, 259 kilowatts pour nous être capable de courant complet nos besoins à partir de 11h20. Turbine, dans 9 mois, je dis nous, je parle avec nous, nous comprenons? Nous connaissons les balles, ça veut dire. 9 octobre après 7 mois. Mais je voulais turbine ça, parce que ça a 3 mois dans la donne, monsieur, je dis, je vais marcher dans moi. Ministère de la République, là, non seulement je connais un transformateur Port-au-Prince qui pour venir sous Pélic, pour Pélic, Kabaye, Bela, de courant, ça c'est Yon. Moi, je voulais dans la centrale, on devait. Réparation faite sous lui, dans programme électricité 24 sur 24 là, pour Belader rapidement avant 9 octobre l'entrée la donne pour une fonds centrale mix soleil avec hydro avec dit pour ne pas avoir gaz encore dans Belader même pour centrale hydroélectrique là nous a couplé là avec une centrale solaire haïti dit pour soleil là avec gloire qu'a bon courant parce que pas oublier ça me dit dans campagne là moun yo soleil là rivière yo avec terre ça veut dire nous gain on devait c'est de l'eau. Soleil là pour nous, ça nous manque. Si nous manque 250 kW, nous manque 300 kW pour mettre en plus. Et puis, courant par le fait pour nous. L'autre sujet, porte-parole adjoint inspection générale la police là, commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, présenté vendredi 9 mars là, bilan travail inspection générale a réalisé pendant le mois février à porte-parole a expliqué, soit Yvan, arrivé 23 février, inspecteur général en chef la police là, a visité direction départementale l'Ouest PNH, plaisir commissariat et sous-commissariat dans le département Nord-Ouest. Et j'en ai annoncé, le ministère conditions femmes et droits femmes organisé jeudi 8 mars là, une soirée gala et spectacle à femmes qui est baptisée 8 femmes à chanter pour 8 mars. Gala et spectacle ça fait dans l'idée pour clôturer une série d'activités. Ministère était en main, diverses personnalités étaient présentes, en cours Première Dame République la Martine Moïse, ministre planification à coopération externe à Viol Fleurant, ministre intérieur à collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin, ministre jeunesse et sport à action civique la Régine Lamure, quelques membres dans corps diplomatique à consulaire et puis représentant organisation de Wamoun. Roosevelt Desrosiers et Disneyus a présenté un reportage en suivre. Soirée gala et spectacle ça, t'es occasion pour 8 artistes femmes exprimer yo à travers chansons sous façon société a en général considérer femmes et puis soulever question rapport femme à garçon. Quelques grands figures femmes dans musique haïtienne nan, tant que Carole Demismen, Tamara Suifrin, Renette Désir, Jocelyne Doris May, Actifan et puis l'autre talent qu'a monté Farah Joseph, Ferry Robert, Agdienne Sarah Abelard, en dans texte yo chanté yo traiter quelques thèmes sous courage, détermination, dignité, identité, importance, mesdames, yo, et puis place yo gagné dans la société. Ya. Représentant et spécial adjoint secrétaire général Nations Unies en Haïti, Mamadou Diallo, salue le travail en pile femme a fait pour avancement société. Dans le petit message soutien à mesdames, yo, secrétaire général Nations Unies en Tévoyer pour occasion, Mamadou Diallo rappelé souhaite plusieurs femmes dans le monde là pour gagner un changement durable sous droit femme yo gagné. Mon devoir ici, c'est celui de vous adresser, haïtiennes et haïtiens, en ce jour mémorable du 8 mars. Les salutations du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a tenu à partager avec vous
un message simple de soutien à votre combat pour l'égalité et l'équité de genre en Haïti. Et le secrétaire général des Nations Unies a voulu vous donner ce message simple que vous me permettrez de vous lire. Au moment où nous célébrons à travers le monde la Journée internationale de la femme, nous vivons un instant décisif pour les droits des femmes. Les inégalités historiques et structurelles qui ont fait le lit de l'oppression et des discriminations n'ont jamais été dénoncées avec autant de force, de conviction et d'unanimité sur l'ensemble de la planète. De l'Amérique latine à l'Europe, des Caraïbes à l'Afrique, de l'Asie à l'Océanie, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de cinéma, dans les usines, dans les marchés, dans les lieux de travail, toutes les femmes du monde appellent à un changement durable et réclament la tolérance zéro à l'égard des agressions, de la discrimination et du harcèlement sexuel sous toutes leurs formes. Ministre conditions femmes et droits femmes, non. Eunide Innocent, déclarer soit égal à Espectaxa, c'est un moyen utilisé pour continuer avec réflexion sous bataille mesdames à mener pour judoyo. Comme moteur changement et développement dans la société, il faut mieux de rassembler forces pour gagner bataille ça. Notre rencontre ici ce soir n'est qu'un prétexte pour continuer la réflexion autour de cette lutte, faire le bilan de nos avancées et avoir un regard sur l'avenir. Notre rencontre ce soir, au-delà de l'aspect festif, doit nous rappeler que ce combat, nous ne le gagnerons pas sans une cohésion de tous les instants, une harmonisation constante de nos forces et un engagement de toute heure. Ministère conditions femmes et droits femmes commémore Journée internationale femmes dans Anessa sous thème Léa Vini, activiste rurale à Kirubin yo, transformer la vie femme yo. Et puis, nous avons connu le système de financement assurance agricole en Haïti en collaboration avec le ministère conditions femmes et droits femmes et femmes entrepreneurs dans le département de l'Ouest, organisé vendredi 9 mars là, une foire agro-éco-culturelle. Activité sa fête dans l'idée pour valoriser femmes dans le milieu rural qui travaille dans le domaine développement économique et social dans le pays. On suit un reportage avec Daline de Rival et Moïse Wilbridge. Femmes agro-entrepreneurs, c'est pour tout le développement agricole. C'est sous thème ça, système financement assurance agricole en Haïti, SIFA, avec ministère conditions femmes et droits femmes organisé une fois agro-éco-culturel. Dans l'idée pour mettre travail femme, réaliser en valeur, si tout si la yo cap travail dans le développement économique et social en d'un pays. Eunide Innocent, ministre conditions femmes et droits femmes, fait connait administration Moïse et gouvernement Lafontaine a travail pour femmes yo pas exclus dans système économique pays a. Moi-même comme ministre femme, moi te prends engagement pour me gommer pour nous. Collé pour la coin pour bataille la continuer parce que li pas ici. Et c'est pas demain la fini. Engagement ça a continuer pour nous arriver joindre égalité que nous avons cherché à tout bon vrai. Parce que, en fait, nous connaissons devise pays, c'est liberté, égalité, fraternité. L'État haïtien a adopté depuis 2014 une politique égalité entre femmes et garçons. Le président pays prend engagement pour faire de politique ça un acte important pour mettre le pays sous rail développement. Mesdames, moi-même, ma travaille chaque jour avec l'équipe de la ministère femme pour nous voir comment nous faisons politique ça atterrir. Barbara Akluche, responsable égalité femmes et garçons SIFA, fait connaître SIFA pas seulement un projet pour accompagner mesdames yo dans le business, mais yo ba yo tout formation sur leadership et éducation financière. Et comment pour lancer yo dans le monde commercial là? Nous encadrons et accompagnons l'association Femmes Sayo qui est dans l'Ouest. Là, nous avons 17 associations et femmes agro-entrepreneurs qui sont tantôt dans Keskov, Pétionville, Kouadebouke, Tomazo. Yo vini pour exposer produits parce que nous connaissons Femmes Sayo, même jamais sur le jardin. Yo fait transformation produits jardin, par exemple, yo fait mamba, confit, silica, etc. Et yo commercialisé produits Sayo tout. Alors, je dis à
c'était occasion pour nous faire promotion pour travail mesdames ça va réaliser contribution que au gagner dans affaire économie locale pays parce que femme ça yo des fois yo c'est chef de ménage yo gè ti moun a responsabilité yo et jardin c'est représenter business ici foi agro eco qu'il tirel ça organiser dans l'idée pour montrer rôle femme rural yo et puis valoriser action yo dans développement économique et social pays a. Et puis une fois qu'on est première dame république là Martine Moïse dans activité mesdames yo t'est organisé dans Port-de-Paix en occasion 8 mars là pour marquer journée internationale femme salut courage femme yo qui pas suspendre bataille pour droit yo ak respect yo dans société a Martine Moïse rappelé yo message à président république là qui invité mesdames yo mettez tête ensemble pour intégrer poste décisionnel dans pays a dans sens ça li invité organisation femme yo pour renforcer bataille à mener contre violence qu'a faite sous mesdames yo n'a invité aussi vieux extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste ak Hervé Pierre. Mesdames, messieurs les maires de la commune de Port-de-Paix, les directeurs départementaux, les responsables des CASEC, des AZEC et des délégués de ville du département, monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies en Haïti, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, madame la directrice de l'Institut du bien-être social, mesdames, messieurs les leaders communautaires et religieux, mesdames, messieurs les représentants des organisations de femmes, chers membres de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un pile émotion que je prends la parole aujourd'hui devant toute autorité saïo. Autorité qui est dans le gouvernement central, là, dans le gouvernement local, autorité qui est dans les Nations Unies, dans l'ambassade pays amis Haïti, et devant nous toutes, femmes voyantes, femmes totales qui en face moi là. Femmes qui ne peuvent jamais bouquer, n'en fait promotion pour femmes. Femmes qui ne peuvent jamais suspendre, agir pour couper la violence qui a fait sur femmes actives. Femmes qui ont boumé pour égalité entre femmes et garçons. Femmes qui ont participé et puis fait femmes pareilles ont participé dans les affaires pays. Je dis à ces 8 mars. Le ministre a dit qu'elle ne peut pas fêter. Moi-même, je viens fêter avec nous. Je vais fêter, je ne sais pas, dans le monde entier. Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Et c'est les Nations Unies qui mettent tout ça sous pied dans l'année 1977 pour faire tout le monde songer qui va qui sont femmes. Si on coquen chaîne potomitan en dans société a jou ça supposé gen en pile activité tout partout pour faire bilan sur situation femme yo activité pour faire lumière sur nécessité qui gagner pour femme et garçon vivre égal égaux jou ça nous ka fait toute activité qui mette en valeur richesse qu'il tire le pays a dans chaque zone qui la donne pendant n'a réjoui sous bataille que nous fait déjà n'a préparé nous pour toute notre bataille en faveur femme actifi n'a bien pour nous mener toujours dans occasion ça m'a profité de toute femme militant qui engagé pour une société plus équilibrée merci et puis compliment merci à compliment pour courage nous. Merci à compliment pour détermination nous. Merci à compliment parce que nous pas jamais fatigués dans bataille n'a mené pour toute femme active vive plus bien. M'a gen un pensée spécial pour femme militante nord-ouest yo qui malgré bagay yo dit dépasser mes i. Yo toujours campé ferme. Yo toujours campé ferme là-bas. Pour mener bateau département et bateau pays à bon port. Toute femme nord-ouest, toute femme porte-paix, et toute femme voyant qui sortit dans plusieurs zones dans pays pour participer avec moi dans coquine chaîne rassemblement ça, m'a profité de nous, j'en fier de nous. J'en compte travailler avec nous, bon côté nous, pour nous faire la vie monde.
plus facile. Et ce travail pas nous, collé à travail qu'a fait de l'autre côté, qui permet l'humanité de vivre meilleure chaque jour. L'autre sujet dans le journal, c'est l'Agence nationale est protégée, ANAP, qui était participé dans vendredi environnement, vendredi 9 mars. La direction ça qui est sous tutelle ministère environnement, gagne pour mission principale gérer le système national zone protégée et protéger la biodiversité. N'a invité au suivi un extrait dans le micro, Mildred Milias avec Jordan Bozil. Oui, bagaille m'a dit que et ANAP, c'est un petit nom jouet et pour l'Agence nationale. Et des aires protégées, qui c'est une direction générale sous tutelle ministère de l'Environnement, qui lui-même a pour mission principale pour lui gérer et le système national des aires protégées et pour protéger la biodiversité. Puisque nous parlons de aires protégées, c'est un mot français, en créole nous avons dit zone protégée ou bien espace protégé. Et c'est un espace géographique qui définit et qui a une limite, qui a une superficie, que l'État, soit le gouvernement ou bien une municipalité, est capable de déclarer comme tel, comme une aire protégée. Pour nous travailler, pour ANAP travailler, ANAP ne travaille pas seul. Il ne travaille pas seul parce que le milieu côté là à GIO, il y a l'autre institution qui agit en même temps que ANAP. Par exemple, si nous prenons une aire marine protégée, alors aire marine protégée, c'est une zone qui est sous la mer, que nous déclarons aire protégée, et là-dedans, il y a plusieurs sous-zones. Nous-mêmes, au niveau ANAP, nous ne sommes pas capables, à nous-mêmes seuls, faire grand chose si eux-mêmes n'ont pas collaboré, si eux-mêmes tout n'ont pas un acteur dans la protection de l'environnement. Nous avons invité non seulement pour faire contribution pour protéger les zones, pour aider nous protéger les zones qui nous les zones protégées, mais nous avons demandé pour encourager les gens qui travaillent dans autant pour les surveillants et les techniciens. Pour eux-mêmes, ils sont capables d'appuyer, de permettre qu'ils soient capables d'avoir un résultat qui sait protéger les objets de conservation, les ressources naturelles, qui sont pour non seulement le pays, mais pour le monde entier. Et c'est le moment, madame, monsieur, pour nous observer. Et on pose commercial. Nous avons l'autre information pour nous abtourner dans un petit moment. Et voilà, on a poursuivi avec l'information. J'ai noté annoncé l'intitulé. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, accompagné directeur général de GIA Mira Desmorlan, avec magistrat commune Gonaïve-Lan, Nil La Tortue, inauguré un nouveau local direction générale impôt dans Gonaïve vendredi 9 mars. Chef gouvernement Jacques Guy Lafontaine a expliqué local tout neuf de GIA dans Cité Indépendance, rentrer dans le cadre de la promesse campagne président de la République, la Jovenel Moïse, pour décentraliser les services publics. Sous Bopal, directeur général de GIA, Mira Desmorlan, m'a dit contribuer à bio pour mettre en règle. Il y a un extrait dans Miko Selkwapaki avec Jean-André Chéri. Cette inauguration constitue la matérialisation d'une promesse de campagne du premier mandataire de la nation de promouvoir le principe de l'égalité d'accès aux services publics de tous les citoyens. C'est dans cette optique que le 30 mars 2017, le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, a procédé à l'ouverture de 3 centres similaires dans la zone métropolitaine, à Tabar, à Pétionville et au centre-ville de Port-au-Prince. Ceux-ci constituaient les premiers sur une quarantaine qu'il se proposait de mettre en place au bénéfice de la population haïtienne à travers le pays. La question des documents d'identité renvoie aussi à la complexité de la réalité des conflits fonciers auxquels nous faisons face tous les jours en Haïti. À partir d'aujourd'hui, la population des Gonaïves et celle des agglomérations avoisinantes ont à leur disposition
tous les jours ouvrables, un guichet unique où elles pourront accomplir toutes les démarches administratives en vue de se procurer tout de suite le matricule fiscal et rapidement les autres documents d'identité tels que carte d'identification nationale, les extraits des archives, le permis de conduire, les passeports, etc. La cérémonie de ce matin est aussi une occasion de plus pour porter le citoyen à remplir scrupuleusement ses obligations fiscales. Nous demandons à tout un chacun, grands et petits, de prendre sa part du fardeau fiscal. Le slogan « Ce graisse cochon qui vous cuit cochon » est à l'ordre du jour. Nous devons compter davantage sur nos propres ressources et le souvenir de notre glorieuse indépendance que nous avons célébrée il y a peu dans la cité vient nous rappeler combien il est important de mettre tout en œuvre pour réaliser notre indépendance économique et rééditer la geste héroïque de nos dignes aïeux. Le point, directeur général de Trilité haïtien, Marie-Margaret Fortuny, annoncé vendredi 9 mars, le gouvernement a formé deux commissions interinstitutionnelles qui travaillent sous leadership ministère économie et finance pour jouer une solution à problème LEH a fait face et puis rendre institution plus rentable. Je t'ai parlé cette occasion pour directrice générale là parler sur un nouveau produit l'auto mamie yo lancé dans occasion fête maman et puis pour tes précisions sur information qui t'a fait quoi yo t'es gain contrat avec une série et jeune agent et puis yo pas payé yo. Yo extrait dans micro HS fort avec Jordanie Bouzil. N'a dit pour tout le monde c'est faux, archi faux. Loterie n'a pas de contrat avec eux. Loterie te bail une gratification en décembre parce que tu as une campagne de dénigrement contre Loterie nationale dans les affaires. Soi-disant, nous te voyons tirer la manifestation qui te fait pas de vendre ensemble en pile parce que dans le dernier tirage en fait, yo, presque tout tirage, yo, c'est employé l'État qui achète plus. Parce que gagnon yo te marginalisé produit hein, yo pas de vendre nous gratifier yo en tant que maire, en tant qu'humaniste parce que c'était la fête fin d'année 27 décembre l'autre te fongé ça avec yo la mission. Observatoire haïtien Soudouamoun exprimé inquiétude li sou façon y a traité compatriotes haïtiens yo dans pays Chili qui bloqué dans l'aéroport international à Trobeno Benitez depuis 4 jours. D'après le secrétaire général OHADH, Mounsayo pas qu'à un avion pour retourner la caillou. Dans ce sens, il sollicitait une intervention autorité concernée pour permettre aux compatriotes de retourner dans le pays. Il y a extrait un micro Heurtelou, Marie Dieudonne avec Wilbridge Moïse. Le traitement qui est au bail, citoyen Sayo, traitement ça n'est pas respecté leurs droits fondamentaux et traitement ça n'est pas respecté la dignité humaine. Suivant information que nous-mêmes nous gagnons au niveau observatoire là, t'as gagné plus passé 600 Haïtiens pour l'instant qui bloqués dans l'aéroport de Chili. Et ils n'ont pas qu'à retourner à Haïti parce que l'avion que tu es supposé faire retourner n'est pas disponible. Or, les gars, les traitements qui ont eu ce traitement qui violait la dignité humaine. Or, c'est pas ça que fait, nous constatons que notre traitement qui ont eu, citoyens haïtiens qui bloqué dans l'aéroport chilien, traitement ça pas respecter les droits fondamentaux, li pas respecter la dignité humaine. C'est ça que fait dans le niveau observatoire haïtien des droits humains, n'a demandé l'État haïtien pour prendre responsabilité par rapport à la situation ça et pour lui adopter des mesures rapides pour capable aller chercher Mounsayo ou du moins des mesures rapides pour Mounsayo qui a retrouvé la dignité yo, parce que ça qu'a fait là, il pas respecter la dignité. Yo. Mais la fois qu'on est dans une conférence pour la presse jeudi 8 mars là, organisation Grand La Cour OGL renouvelé support yo à l'administration Moïse Lafontaine, y aurait été quoi capable bail résultat jusqu'à présent dans cadre mission yo dans population. Délégué organisation Grand La Cour Kevin Louis fait qu'on est secteur populaire respecté choix président de la République la Jovenel Moïse, a été fait de premier ministre Jacques Guy Lafontaine
Pour diriger le gouvernement, on a invité au suivi un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Et je dis en base grand la cour, nous-mêmes nous conseillons la position qui c'est Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, le président est le premier ministre. Bon, c'est ce président qui est nécessaire pour le dire. Le premier ministre n'a pas bien travaillé pour lui, pour ne pas continuer avec lui. Jusqu'à présent, Bas Grand Lacour toujours motivé dans l'autre Jovenel Moïse parce que c'est lui qui est banou. Jacques Guy Lafontaine, bien que ce parlement qui t'est désigné, qui t'est fait choix, pour, parce que la Constitution a dit pour mon premier ministre, il faut le passer par le Parlement a toujours une position. En plus, le monde dans la rue a toujours dit oui, mais il n'y a pas le premier ministre. Mais jusqu'à présent, il était bon côté président Jovenel Moïse qui t'est désigné premier ministre. Pour le dire, pas satisfait des premiers ministres, et puis laisse ça pour militants ou accompagner pour le faire l'autre choix. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous très satisfaits des premiers ministres, parce que ces présidents ont choisi avec Banoul. Jusqu'à présent, ils font un bel travail, le gouvernement font un bel travail, et en plus, le monde satisfait des gouvernements. Nous, les premiers ministres, qui est là, pas la guerre, parce que nous-mêmes, nous fiers de où, président et Banoul. Jusqu'à présent, on a bien travaillé, président a bien travaillé, qui est là, pas la guerre. Et puis, pour qu'on ait la fois qu'on est Radio Métropole, célébré jeudi 8 mars, la 48e année d'existence, avec 9 années télévision. C'est l'occasion pour tout responsable et employés, Chita, ensemble, parler, manger et puis discuter sur l'avenir institution. Nous invitons au suivant reportage dans le micro Colo Elisère. 8 mars 1970, 8 mars 2018, marqué 48 l'année d'existence Radio Métropole. Dans l'occasion, directeur général Radio Télémétropole là, Richard Widmayer, t'es profité partager quelques difficultés radio à connaître pendant 48 l'année existence ça. Nous ouais en pile bagaille, en pile problème politique, en pile bagaille passé devant nous et internet pas que exister l'on était là, je dis à gain internet, je dis à gain paquet de bagaille que l'on était commencé en 1970 qui pas existé du tout. Donc son gros chemin que nous faire pour nous arriver là aujourd'hui après 48 ans. Mais nous bien contents là parce que nous pensons que nous portons une petite contribution par nous, dans média haïtien et dans le panorama médiatique là en général. Difficulté ça a eu, pas empêché Richard Widmayer satisfait pour qualité de travail radio à réaliser en d'un pays. Tu as gagné un nouveau sentiment de vie qui t'a décoché. Et puis, il y a des problèmes politiques, des pressions qui viennent faire sur le gouvernement lui-même de côté parle commence à faire pression sur presse là. Et presse là, tu commencé vraiment pour une belle extension. Nous t'es professionnalisé, non? N'est pas tapé, tu as appelé bas et qui est dans le journal encore. Tu commencé vraiment à être reporter qui t'a pris à poser question. Vous comprenez, ça veut dire, fait gouvernement rendre compte, nous t'es gagné éditorial que nous t'as fait. Et bien, tu as commencé à vraiment professionnaliser. Journaliste Sheila Louis-Joseph et Robert Stanley Figaro, des employés dans Radio Métropole, t'ont expliqué qui j'en la vie employé en dans institution. Même cap dit d'autant plus fier et heureuse parce que ça fait exactement 10 ans. Le moi rentré ici là dans Métropole en mars 2008, me vinn joindre Métropole à fêter. Et puis je dis c'était en 2008, j'aime ça joli là et 2018 8 mars 2018, ça fait exactement 10 ans, donc doublement contente. Donc c'est la joie, c'est avec plaisir que je recevoir toutes les amis aujourd'hui en occasion anniversaire Métropole. On des rapports qui sont très cordiaux, très conviviaux, et on connaît bon, même moi là depuis le matin, dès 6 heures, moi dans la radio là, donc c'est à l'heure ça que Wendell lui-même vient nous retrouver pour nous préparer le journal du matin. Hein. Et ensuite, j'ai une émission vers 11h du matin avec Anne Daphné Lemoine, côté effectivement son lot ambiance que nous essayons de créer au niveau de Radio 1, et côté de la PC, côté le maximum pour le public. Là. Et puis, l'après-midi encore, je retourne vers 5h dans l'émission détente, côté de la PC, accompagner Mounio dans le retour à la maison. Donc, vraiment, c'est une belle ambiance et, par rapport à tout l'autre employé. On n'a même peut-être pas écrit reportage, mais ambiance avec l'autre reporter, c'est belle bagaille. Donc, nous vraiment, vraiment, ça en affaire et nous sentons bien au niveau de station. 48 l'année, ça, c'était occasion pour le directeur général là, de faire bilan et puis annoncer plusieurs autres projets. Il y a une façon pour Radio Télémétropole répondre. Présent dans tout nouveau système communication. N'a observé une nouvelle pause n'a tourné. Actualité à poursuivre, n'a toujours été là quand nous pour une fois qu'on est dans cadre projet renforcement production du riz dans
Valérie la Tibonite la travers caravane changement. Ancien ministre Thomas Jacques qui était gain Akli, directeur général ministère agriculture Brenley Eugène lancé combite dans localité Kouva, deuxième section communale Verette m'a dit 6 masla agriculteur ak planté exprimé qu'est content yo pour travail si là. N'a invité au suivi un reportage avec Richardson Jordan ak André Chéri. Yo te plusieurs agriculteurs planté ak pel bourette Piqua qui regroupe yo en dans 12 blocs production et puis qui associé yo en coopérative qui participe dans Combitsa. À travers Combitsa, à part gros canal yo responsable compte nettoyer planté ak agriculteur a bien pour faire canal secondaire ak tertiaire yo ça qui va aider augmenter production d'iri dans vallée a agriculteur yo joine appui l'état et appui ça permettre que un yo utiliser les équipements deux en pile moun met ensemble yo travail pour permettre que capable faire production. Donc bloc de production ça son bloc de production de 500 hectares de terre et qui pral permettre que et bien à partir de mois de mars avril là et bien toute zone ça pral planter en duri et c'est organiser c'est ça qu'avant n'a pas fait organiser planteur en coopérative et puis l'état porter appui pal pour capable augmenter production. Pour augmenter production faut maîtriser les moyens de production. Les facteurs de production. Nous, au niveau en bloc, il y a un nombre qui est important comme être fondamental, surtout dans la question du riz, c'est la gestion de l'eau. Ou pas qu'à produire du riz sans parler de l'eau. Donc, mais de l'eau à tout, les cas diminuer et même annuler le rendement. Ça veut dire, facteur de l'eau est important, mais il faut maîtriser. Mlo maîtriser fok canal ou irrigation en condition de fonctionnement faire dré autour en condition de fonctionnement aménagement physique ak espace bloc production construction route agricole et puis réhabilitation infrastructure irrigation ak drainage pour faciliter transport produits agricoles c'est quelque parmi travail k ap gen pour fait dans quatre combit là. Si vraiment ou pas nous pas gagne assez d'eau qui rentre, nous pas gérer situation ça ou capable gagne semences engrais mais production pas très faible. Jodi a nous réunir c'est notre optique ça parce que même là nous même nous capable faire grand travail pour nous capable nettoyer canal primaire yo mais là nous gagne secondaire avec tertiaire si nous pas nettoyer yo nous même n'a toujours gagne limitation pour de l'eau arriver jeune cultivateur. C'est un bail que m'ta pensé évaluer comment ça t'est qu'on fait dans le passé et finalement on dit que même organisation tant coupam qu'on réunit tout moun yo fait un combit et puis moun yo nettoyer et puis yo fait manger bah ça pour tout moun yo vini pour yo même yo prend responsabilité pour que yo aider yo dans cano secondaire avec tertiaire et ben c'est initiative ça qui te prend matin dans combit que n'a fait là pour que nous te vini avec yon bloc de production parce que nous gain au nombre de 12 mais ça il montre nous vraiment que si nous réunissons moun yo des coopératives pour nous capable montrer esprit de travail ensemble et puis l'état porter accompagnement n'a pas arriver aboutir à résultat que nous anticipons pour nous capable non seulement dans les premières années mais vraiment dans 4 ans qui était nous là président coopérative bloc 6 qui dans localité Kova deuxième section communale Verette Rosemont Pinard expliquer l'importance du travail ça pour le gagner pour planter agriculteur zone là. Avancer. C'est première journée ça puis n'a continué marcher puis devant. Objectif ça pour comme si m'ta dou productivité paysan ka augmenter. Par exemple si drain en coulé, tu as séché après soit toute vie d'eau donc du n'a sorti en forme. 500 hectares, c'est quantité terre responsable visé dans quatre batailles a fait pour augmenter production d'iri dans vallée avant fin mandat président République là Jovenel Moïse. Même combien ça pour le réaliser dans notre département en d'un pays ya, selon responsable yo. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump et le dirigeant régime nord-coréen Kim Jong-un a dû rencontrer avant longtemps. Président Trump et Kim Jong-un a bien pour discuter sous dossier nucléaire en suivre. Président Donald Trump a dû rencontrer leader nord-coréen Kim Jong-un. Après plusieurs mois mauvais paroles, deux chefs d'État ont d'accord pour discuter sur dossier nucléaire. Un sommet historique Pyongyang a essayé organisé depuis 20 années qui est capable de mettre lumière sur dossier nucléarisation Corée du Nord. Kim Jong-un promet pas aucun essai nucléaire ou bien test missile pendant sommet.
li di li comprendre exercice pratique militaire république coréen ak États-Unis doit continuer. Pendant le préciser des IPAL, c'est pour le rencontrer président Trump plus vite possible. D'après Jong Eun-young, conseiller président sud-coréen, président Trump confirmé rencontre ça sur compte Twitter li, li qualifié c'est un gros progrès, même s'il toujours kenbi sanction contre Corée, si pas gain aucun engagement ferme qui prend. Et puis pays asiatique yo accueilli à Kampil quelques content rencontre dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec président américain Donald Trump. Cependant, population yo toujours été inquiète par rapport à rencontre là. Pour pipiti, 7 moun perdu la vie yo, yon dizaine l'autre blessé nan yon attentat après yon individu fin fait exploser tête li nan yon quartier musulman nan capitale afghan vendredi 9 mars la. Individu sa fait exploser tête li après force l'autre yo te mandé pour l'identifier pour passer nan périmètre sécurité a nan direction yon rassemblement qui organisé nan mémoire dirigeant communauté yo qui était mouri en bas main taliban yo. Et puis avant nous aller na fò konnen a pati dimanche 11 mars là à 2h du matin, les nationales a avancé de 60 minutes d'après un arrêté présidentiel qui publié mercredi 7 mars passé a avancé les à 60 minutes, vle di les 2h là pas 3h a pati dimanche k'a vini là. Le grand point avant nous aller, président République la Jovenel Moïse a visité vendredi 9 mars la commune Belladène en département Sainte. Pendant visite sa chef l'État chita palé ak autorité locale et puis visiter plusieurs chantiers. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine inauguré jeudi vendredi à nouveau local direction générale pour Nangonaïve. Directeur général bureau mine ak énergie ingénieur Claude Prépticien jeudi à yon accord avec le programme Nations Unies pour développement et puis recevoir yon lot équipement qui pourra permettre la réparation qui fait dans plusieurs stations sismiques dans le pays. Ministère conditions femmes et droits femmes organisé jeudi 8 mars là yon soirée gala et spectacle femmes qui baptisé 8 femmes à chanter pour 8 mars gala et spectacle ça qui déroulé en présence première dame république là Martine Moïse fait dans l'idée pour clôturer yon série activités ministère a tête en main dans occasion. Et puis président américain Donald Trump avec dirigeant régime nord-coréen Kim Jong-un t'a doué rencontrer avant longtemps président Trump avec Kim Jong-un a gain pour discuter sous dossier nucléaire. Merci tout le monde qui t'a suivi journal TNH là pour aujourd'hui. Nous souhaitons passer un très bon week-end et à bientôt.